amis des signes du zodiaque, et bien bienvenue sur la chaîne du Tarot de l'œil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule « Dans le regard de l'autre ». Avec ce type de guidance, l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle, difficile à appréhender, en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête. Donc pour ce faire, on a le temps doux. Je vous tirerai également une carte conseil de guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans, une carte conseil avec les cartes OH. Allez, je vous dis à tout de suite sans plus attendre. Mes amis Balance, bienvenue sur la chaîne du Tarot de l'œil du chat pour votre tirage dans le regard qui s'intitule « Dans le regard de l'autre » pour essayer de décrypter une relation parfois un peu complexe ou tendue ou que l'on ne comprend pas. Donc ça peut être dans le couple, dans l'amitié ou dans le travail. Vous parlez, vous voyez comme ça résonne en vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si dans ce tirage-là qui est assez ciblé, ça ne correspond pas à votre histoire. Bon, comment vous voyez la relation? Alors, il y a cette idée de mise en danger et d'abandon, de quelque chose qui vous tombe un peu dessus sans que vous ne l'ayez vu venir, et peut-être même de répudiation. Alors, je vais un peu loin, mais on se sent peut-être un peu mis à l'écart. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, ou le sentiment que peut-être qu'on se doutait que quelque chose se tramait, mais qu'on ne l'a pas vraiment vu venir, ou on a été dans le déni, jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Comment l'autre voit la relation? Eh bien, c'est plutôt charnel de l'autre côté, du désir, de la sensualité, de l'attirance physique, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, voyez. Peut-être que le désir, peut-être que l'autre vous désire toujours et c'est vous qui vous sentez un petit peu délaissé, ou peut-être que l'autre, eh bien, va voir ailleurs, a d'autres projets émotionnels, beaucoup plus d'attirance pour autre chose, et vous, pour vous, c'est un sentiment d'abandon et de trahison. Alors, dans l'immédiateté, qu'est-ce que l'autre est prêt à faire pour vous? Eh bien, à tenter de recoller les morceaux. Toutefois, cet autre sait que c'est dangereux, qu'il peut... Alors, quand je dis autre, je parle au masculin, hein, peu importe, après, que ce soit un homme ou une femme. Cet autre craint peut-être que tout va s'effondrer. Il sait qu'il y a un risque, mais il a envie de discuter cet autre. Ou à l'inverse... Il est prêt, il pourrait être prêt aussi à renoncer à votre relation, mais je crois plutôt que c'est, je ressens plutôt cet autre comme de dire, bah, c'est quitte ou double, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle de tout ça. On est toujours dans la relation charnelle, de dire, bah, voilà, c'est pas que je ne te désire pas, c'est pas que je ne t'aime pas, mais il y a autre chose qui manque, il y a un pétillement en moins, vous voyez, c'est ça. Et pour vous, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux à vivre, on va pas se mentir, vous l'aviez pas vu venir. Sur du moyen terme, long terme, qu'est-ce que l'autre envisage dans la relation avec vous? Eh bien, je vais vous mettre aussi ce qu'il craint, parce que pour moi, ça va ensemble. L'autre voudrait, si vous voulez, que sur du long terme, il y ait une entente simple, sans que ce soit addictif, sans que ce soit une drogue, sans qu'il y ait de dépendance de l'un par rapport à l'autre. De la légèreté, de la simplicité, de l'entente. Donc pour ceux qui partiraient sur une séparation, eh bien, sachez que cet autre a envie que ça se passe bien et que chacun s'entende. Pour ceux qui voudraient que ça se répare, alors sachez que cet autre voudrait bien que ça aille dans ce sens-là, mais sans forcément vous jurer fidélité. Ça, c'est possible.
Qu'est-ce que l'autre craint le plus avec vous? C'est l'embourgeoisement. Voyez, l'autre cherche la simplicité et ne veut pas, ne veut surtout pas être dans le règlement d'apothicaire, le règlement dans le petit détail, le raffinement, voilà. Parce qu'on passerait d'une vérité simple à un mensonge équilibré. Et le mensonge, même s'il est équilibré, eh bien, à un moment donné, on finit par se dire que on a un masque et on n'est pas soi dans sa vérité à soi. Alors que là, on est plus dans une vérité dans sa relation par rapport à l'autre. Voilà comment l'autre envisage cette relation par rapport à vous. Et sur du long terme, comment l'autre voit la relation? Eh bien, l'autre voit comme une folie qui se... Une folie à un isolement. C'est-à-dire que pour l'autre, se maintenir dans cette situation-là, c'est l'emmener dans une espèce de perte d'identité. Et cette perte d'identité-là ne pourrait pas être vraiment réparable, mais plutôt le conduire à une forme de folie. Donc c'est certain que ce que vous vivez là, c'est quelque chose de très douloureux, parce que je pense que vous vous sentez vraiment pris ou prise au dépourvu. Par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour de l'autre, c'est juste qu'il y a un besoin autre par rapport, un besoin de l'autre que peut-être vous ne pouvez pas remplir. Ou peut-être que cet autre-là s'est aussi senti esselé et qu'il a eu besoin de faire autre chose, d'aller voir ailleurs. Et vraiment, cet autre veut que ça aille bien entre vous, que ce soit dans la recomposition du couple ou de la relation, comme ce soit, ou que ce soit dans la séparation. Mais il n'empêche que l'idée, c'est qu'effectivement, on ne se mente pas et que ça reste simple, pour dire de ne pas devenir fou par rapport à cette union-là. Alors, conseil pour mes premiers décans en balance, ici on vous invite à être, alors on parle d'homosexualité et on parle de vieux couples sur un banc. Peut-être ici, pour les premiers décans, ça parlera surtout à ceux qui découvrent une relation de l'eau à l'autre, une relation, quelqu'un qui pourrait changer ou dévoiler sa réelle personnalité. Ici on a une idée d'amitié quand même, c'est-à-dire que si vous découvrez une homosexualité ou une relation autre que vous ne vous attendiez pas, ça veut dire aussi qu'on peut quand même rester en bon terme et continuer à rester amis. Voilà ce que je sens pour mes premiers décans. Deuxième décan, on parle de menacer. Et on parle de... Oui, ici, deuxième décan, on dit qu'on se sent un petit peu envahi. Et envahi par des événements extérieurs. Et c'est menaçant parce que c'est quelque chose qui grossit, qui grossit, qui grossit. Alors ici, le conseil, c'est de vous dire que... pour vous dire ce qui est menaçant ici, apparemment, c'est quand même des fourmis qui font leur fourmilière. Et ça fait un gros monticule dans la nature. Vous pouvez effectivement menacer de tout casser, de tout fracasser, de tout dévoiler. Vous pouvez aussi menacer de détruire. Ça peut être aussi une sensation de menace pour vous-même dans la destruction de ce qui se passe autour de vous. Ou vous craignez cette destruction. Alors ici, l'idée, ça va être de dépasser cette menace, de dépasser cette terreur et d'accepter que la fourmilière, elle est là et de vivre l'instant présent. Alors effectivement, vous pouvez menacer de détruire parce qu'il faut clarifier la situation. Mais bon, voilà, les choses sont là et il faut faire avec. Troisième décan, on parle de communiquer, on me parle de cheminer. Ici, l'idée, c'est de peut-être de tourner les choses plutôt à la dérision, de ne pas vous prendre la tête et de continuer à garder votre bonne humeur pour dire de voir les choses, toutes les belles choses quand même, qui ont pu être réalisées. Peut-être aussi ici que vous allez vous rendre compte que la situation est particulièrement comique parce que vous allez vous rendre compte que malgré tout ce qui a été construit, il y avait une autre personnalité dans l'autre. Et ça, ma foi, ça peut vous faire gentiment sourire et vous pourriez alors le transformer en quelque chose d'assez positif. Voilà, mes amis, balance. Je vous souhaite donc... Je remets ça là, je vais trop vite. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.